Et salut monde, c'est Remax. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo de ce matin concernant la présentation de mon village. Donc cette vidéo fera partie d'une série que je vais appeler sûrement un truc genre farming ou comment bien farmer. Donc aujourd'hui je vous ai fait une petite compile de let's play, de gameplay, excusez-moi. Donc on va pas perdre de temps et on va y aller directement. Donc notre premier gameplay, donc là j'ai mis du moins bien au meilleur. Donc là c'était deux coffres d'or faciles à atteindre. Donc j'étais en full archer, j'avais mon roi des barbares, j'ai pas cherché à faire les 50%, j'avais quand même beaucoup de trophées, donc je m'en fichais un petit peu. Donc là vous pouvez voir que j'essaye de percer en bas à gauche pour atteindre le coffre d'or. Je vais l'avoir facilement. Donc j'ai pas pu mettre en x2 parce que tout simplement mon vision buggait, sinon il y avait trop de FPS, donc frames par seconde. Donc j'ai détruit les deux coffres d'or. Il me semble, si je me souviens bien, que je vais essayer de détruire les moulins et les mines. Donc voilà, il n'y avait pas tellement que ça dedans, il me semble. On va quand même regarder jusqu'à la fin. Donc voilà. Donc regardez déjà le butin, c'est déjà à peu près le butin final. Je suis à 158 000 en or pour avoir dépensé un peu moins de 100 archers. C'est plutôt pas mal, 58 000. Maintenant tout de suite, même gameplay. Donc c'était 214 000 et 214 000 environ. Les mines, elles étaient quasiment remplies. Donc là, cette fois, j'ai essayé de faire le 50%. J'ai d'abord détruit les moulins à mana et ensuite les mines d'or. Donc regardez bien. Vous voyez aussi que j'ai essayé d'atteindre le réservoir d'élixir noir en haut à gauche. J'ai un peu détruit toutes les mines. Un peu détruit tous les moulins. Tous les extracteurs plutôt. Et je suis déjà à 200 000 en mana, en élixir. Excusez-moi, je suis habitué à Clash Château. Et 145 000 en or. Donc c'est à peu près le butin final, c'est pas mal déjà. On va passer directement au gameplay Euro 3. Là il y avait quasiment 300 000 d'élixir et d'or. Et c'était plutôt facile parce que ils étaient quasiment tous regroupés. J'ai pu faire genre en une seule ligne. J'ai cherché à faire le 50% pour pas perdre de trophées parce que j'étais plutôt bien pour farmer. Donc j'ai mis un peu des archers partout comme vous pouvez le voir. Je ne sais plus si j'utilise toutes mes troupes. Mais voilà. Donc j'ai pas encore le 50% et donc c'est bon. J'ai le 50%. Je crois pas que j'ai utilisé toutes mes troupes sur cette vidéo-là. Donc voilà. On passe au gameplay numéro 4. Donc c'était vraiment énorme, 349 000 en or et 258 000 en mana, en élixir, excusez-moi encore une fois. Il me semble que je n'ai pas tout récupéré, donc j'ai détruit d'abord la tour d'archer, le mortier et la tour sorcier qui pouvait éventuellement me gêner. Je détruis ensuite les mines d'or, les moulins d'extracteurs d'élixir. Et je vais essayer de faire les 50%. D'ailleurs, il me semble que j'ai perdu mon roi barbare sur cette vidéo-là. Voilà. Vous pouvez voir, je crois que pour l'or, ce sera tout. Je crois que j'ai pris tout ce que je pouvais. Donc 302 000. C'est vraiment énorme, on va dire. Pour un full archer. Et je crois que pour le mana, ce sera tout aussi. J'aurais pu, pourquoi pas, attaquer l'extracteur d'élixir noir en haut à gauche, si vous l'avez vu. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, ciao!